Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Banished. Voilà, j'ai un nouveau micro. Hop 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 ta 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 ta. Voilà, j'explique vite fait, j'ai un nouveau micro. C'est un game comme, je regarde le paquet, Plantronic 380. Voilà, ça a été conseillé par Baltou et Monkeyman. Donc j'espère que la qualité vous plaît, j'espère que vous n'entendrez pas trop les sons que je fais à côté, à savoir mon clic de souris par exemple. Espérons que ça aille quoi. Alors, je sais plus où j'en étais, donc je vais laisser faire, mais en x2. Ah, j'avais pas vu ça. Alors, j'ai lu vos commentaires. Vous m'avez souvent parlé de problèmes de... Enfin, quand ça s'abaissait, c'est que ça se récoltait. Donc, je savais ça, je savais. Alors, pourquoi on était en suspens? Je ne sais plus. Donc là, j'avais pas vu que c'était 97% remaining comme ça. Donc là, on va en mettre un. Voilà. Histoire de dire. Hein. Alors, ensuite, pourquoi il n'y a personne au tailleur? Parce qu'on avait plus de cuir. D'accord. Et qu'en est-il actuellement? 4 cuirs. 6, ça fait 10. Seulement 10 cuirs. D'accord. Il n'y a pas un autre moyen de production de cuir? Si, ça va être ça. Ah! Ah. Bon, on va se mettre là comme ça. Un pâturage de 15 sur 15. Je savais pas que ça se faisait comme ça. Hop, voilà comment ça va se passer. On va s'attaquer donc au pâturage. Et puis un marché peut-être après. Alors, on va mettre une petite priorité là-dessus quand même. Voilà, tout doucement mais tout sûrement. Là, on est en été donc. Très bien, faut travailler le poivron, les haricots. Putain, il continue de mettre des trucs par terre, saloperie! Et tout ça, on va faire x5 parce qu'on est pas mal. Ça reste à 97, je comprends pas. Hein. Ça va avancer tout doucement, je pense. Hein. Voilà. Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Y a pas un truc plus gros que ça d'ailleurs, il me semblait avoir vu quelque chose de plus grand. Putain, ça c'est énorme ça. Une boarding house. Waouh. Ah voilà, ça c'est une mine, mais il y a une carrière. Voilà. Mine, carrière. Oh la vache. Bah je vais la mettre à côté la carrière. Hop. En pause pour l'instant. C'est pourquoi faire ça. Used to mine stone from the ground. Ok. Pâturage. Allez, on va mettre un peu plus de petits paysans là. Enfin des paysans, des constructeurs. Hein. Alors. Donc là, il s'occupe très bien de la bouffe. Là, il faudra l'enlever, mais bon, il y a le temps, on s'en fout. Hein. Pour l'instant, les poires, c'est très chiant à voir. Là, le pâturage, ça m'interpelle. Je sais pas trop ce que ça va donner. On aura un petit peu tous les trucs différents de la nourriture, donc au moins on est basé. Vu qu'on a assez de bouffe, je peux me permettre de faire de nouvelles tentatives. La mine, ça va demander du monde à mon avis. Wow. Mineur. Ah, peut-être que les mineurs se partagent les deux à ce moment-là. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais mettre 10, tant pis. Hein. J'ai enlevé un peu de builder, voilà. On va faire ça doucement. Mais... Oui, voilà, doucement et sûrement. Très bien. Regardez là. Oh, j'adore ça quand ça fait ça. Il récolte les petits haricots. Haricots. Donc c'est nickel. Hein. Alors... ça va là. Hop là, mon petit bordel sur mon bureau. Ça va doucement parce qu'il faut pas mal de langue et de coups de main. Ouais, les builders, va falloir y aller. Hein. Slowly but surely. Doucement mais sûrement. Et là, ça baisse. Je comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. Iron, on est pas mal, mais du coal, on n'a rien. On va peut-être relancer un truc, c'est celui-ci.
Non, il y est lui. Très bien. J'ai l'impression que ça baisse pas mal, donc falloir en faire un deuxième plus tard. Là, on va se concentrer sur ces vaches. Donc, allez, le pâturage, avant tout, le pâturage. On va accélérer un peu la cadence, peut-être. On a les 56 bûches, donc ça serait bien de d'accélérer le mouvement quand même. Voilà. Peut-être pas assez de laboureurs, c'est pour ça qu'ils taillent pas les armes. Allez les gars. Automne, on est en automne. Donc ça, on arrête. On arrête. Hop. Ah voilà. Là, ça devrait avancer un peu plus vite. On a des builders et des laboureurs. Parce que les laboureurs, ils vont enlever ça. Et les builders, ils vont enlever l'autre. Qu'est-ce que c'est, Ploum Ploum? Ah mince. Ah, falloir construire un cimetière bientôt. Parce que s'ils commencent à mourir de vieillesse, toutes mes condoléances, hein, Withelma. Ouais, tailleur, on s'en fout. On a 60 fringues, ça va. Là, pareil, je mets un marchand, c'est... Quoi? Si, les marchands, il y en a un. Voilà. Si je mets un marchand, c'est au cas où quelqu'un passe. Hein. J'ai beau accélérer, ça... Ils veulent pas le faire, hein? Ce petit machin? Ils sont tous occupés ou quoi? Oh. Oh, un coup de main ou un coup de boule? Qu'est-ce qui manque? Merde, putain, mon widget est parti. C'est quoi qui manque? Firewood. Firewood. Ouais, mais c'est à lui d'aller un peu plus, hein? En même temps, avec tout ce que je construis, le bois, il est réservé, hein. Là, qui c'est qui travaille, là, punaise? Allez, hein, enfin, je sais pas, faut bouger un peu le cucu, si je puis dire. Voilà, c'est bien, ça y est. Il était temps, hein. On accélère, vous êtes quand même moins rapide que l'installation de Windows, donc c'est vous dire... À quel point vous êtes lent, navré pour les pro Windows, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, faut que je fasse gaffe parce que là, pareil, il faudra que je refasse un storage barn. Oh, faut faire plein de trucs en fait. Wow. Bon, nous on se concentre là-dessus. De toute façon, ce qu'on veut absolument, c'est pâturage pour s'occuper des bestioles, des petites bêtes. Les petites vachettes. Alors je regarde un peu partout ce qui se passe. Oui, mettez l'iron par terre. Oui. Pourquoi ailleurs? Ah, un marchand, tiens. On va voir. Trade. Oh, des poulets. Les beans. J'en ai beaucoup. Attendez, je vais voir combien j'ai de beans. Qu'est-ce que j'ai en masse? Des champignons. Oh ouais, les beans, c'est pas mal, hein, beans. On va mettre 400 beans. On va mettre ça un peu. On va mettre du bois. Non, le bois, on est bien quand même. Surtout les beans, hein, voilà, les beans. Faut pas trop non plus. Oh, mais en fait ça coûte la peau du cul. Nom de Dieu. Oh. Ah ouais, ça coûte cher. Mais hein. Quantity. Ça coûte cher, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais lui mettre là-dedans, mushroom? Non mais stop là, s'il vous plaît. Je mets n'importe quoi, je veux pas de ça. Ah, encore un mordage. Des mushrooms. Berries. Je mets que des trucs que je trouve souvent. Ça, j'en ai pas mal, hein. Roots. Et là, je peux écrire avec mes chiffres, je vais mettre 400. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Non, les logs. J'ai mis des logs. Non, pas de logs. Hein. Rien du tout. Oh,
400 boules. Waouh, on va les laisser un peu ranger, hein, parce que... je suis impressionné par le prix. Le prix que ça coûte. C'est ouf. 400. C'est-à-dire qu'il me faut... Oh là là, ouais, c'est même pas la peine d'y penser. On va enlever ça, hein. Nom de Zeus. Ah ouais, 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 ça fait cher. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, c'est en gros, je pense. Purchase. Ah non, c'est ce qu'on est... Purchase. Ce qu'on pourrait acheter, c'est ça? Non? Je sais pas trop si c'est ça. Non. Ah d'accord, c'est ce qu'on achète automatiquement. D'accord, ok. Alors non, j'ai pas besoin, c'est pas la peine. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Je suis impressionné par le prix, ça m'embête. Je pourrais peut-être rien lui acheter, merde. Bon, ils sont un peu au point mort. Pardon pour le micro, ils sont au point mort. Non, je pense que ce sera trop tard, il va partir. Oh, je rêve. En fait, il veut rien, le mec. Parce que là, je suis en train de remplir de plein de petits trucs, mais il veut rien, lui. Bon, c'est pas grave. Non, zéro. Ouais, il s'est barré. Très bien, barre-toi, 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 je m'en fous. Ça avance pas vite, là. C'est casse-burne. En fait, ce qui est chiant, c'est les bûcherons, donc les laboureurs, il n'y en a pas assez. Et je viens de me taper le genou au bureau, quelque chose de correct. Voilà, il faut juste couper le dernier arbre qui gêne, et on est bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça y est, voilà, voilà. Donc là, ça va aller très vite. Voilà, parce que les bûches, on les a, donc ça va forcément vite. Hop, voilà, voilà. Quelques bûches encore. Tac. Yep. Voilà, nickel. Maintenant, ça va être que de la main d'œuvre. Et là, j'en ai assez des builders. J'en ai pas mal. Dans la mine, ils sont 10 quand même. Ensuite, on va prendre la construction de ça. Mais ça, c'est en priorité. Du coup, ils vont vraiment s'atteler là-dessus. Donc c'est très bien. Les vaches. Les vaches. Les vaches. Allez, allez les vaches. Allez, parce que je sais pas trop ce que ça va donner en fait. Je sais pas trop où ça va nous mener. Ça, c'est très bien. La nourriture, on a ce qu'il faut. 87%, 71, 86. En fait, c'est très utile de d'en foutre là-dedans, je trouve. Je vais mettre même plus de trucs. Hein. Là, 200 oignons. Là, 200 logs. Hidecote, on s'en fout. Aeron, de l'herbe, on va en mettre 100 ici. Firewood, non. Les poires, j'ai des poires. Combien j'ai de poires? Je sais plus si je les ai données. Enfin, si, ils les ont bouffées d'ici là. Je pense qu'ils les ont bouffées, hein. Ouais, j'ai plus de poires. Ah, merde, j'ai laissé passer une saison sans cultiver, je crois. Je suis deg. Par contre, on est l'automne. Pave. Qu'est-ce qui... C'est quoi ça? Comment ça marche? Bah... Oh, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je l'ai mis alors qu'il n'y a pas de vache qui tourne. Enfin, qui est autour. Ah, c'est pas vrai. Merde alors. Je suis nul, je suis nul. Donc on va détruire cette daube. Ah putain, je suis deg. Eh ouais. Ça, je peux y mettre qu'un endroit où il y a des vaches qui tournent en rond, quoi. Eh, parce que là, les vaches, je peux pas les inventer. Aïe, 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 aïe. Par exemple, ça, c'est quoi? Non. Oh, comme je suis bien deg, là, j'ai vraiment fait de la merde. Mort. Non mais alors là c'est pour la chasse, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Et ouais, et non. Du coup les petites vavaches, non, j'en ai même pas, j'en ai nulle part.
Ça sera peut-être pas une source de bouffe que je pourrais exploiter. Je suis en train de regarder sur la map, là, vous voyez. Si je vois des bestiaux, j'ai pas l'impression qu'il y ait... J'ai pas l'impression qu'il y ait, non. Ça peut arriver, je pense, des parties où bah je peux pas le faire, ça. Ouais, parce que là, c'est un peu la merde, quand même. Non. Bon, du coup, j'ai paumé mon... Non, il est là. Oh, je suis deg. C'est pas vrai. Ouais, je suis un peu deg. Bah ouais, je pensais, j'étais persuadé de mon coup, en fait. Mais pas du tout. Bon bah là, des poires, hein, évidemment. Ah, chiottes. Ils ont fini les maisons, et ben c'est parti. On va là-dessus, la quarry. C'est bien, un peu plus de maisons. On continue la bouffe. Peut-être même mettre d'autres pêcheurs, mais c'est pas sûr. Oh, mais je suis deg. 2, 4, 6, c'est bien. Bon, ils font des bébés à côté de ça, donc c'est cool. 1, 2, 1, 3, ah. 6, normalement c'est bon, ils sont tous là, ouais. Voilà. Ah, je suis un peu deg. Bon, ils vont faire ça tout doucement, voilà. On a l'iron qu'il faut, on a les logs, donc c'est bon, ça va bien le faire. Bon, alors pour les vaches, du coup, on est bien enculé. Oh, regardez qui arrive, attention, regardez. Ah, mais on est en x10, faut pas. Regardez, là, viens mon petit, viens. Oui. Alors, ah, il est revenu avec ses chickens, le salaud. Mettons, j'en prends un. Wow, il faut que je donne les 200 pour avoir une poule. Oh bordel. Trade, ça y est, j'ai un chicken. Mais du coup, le chicken, il est où en fait? Il est où le poulet? Ouais, attends, je viens d'y penser. Ils mettent ça où? Ah, il est là. D'accord. Et il fait quoi là, au juste? Oui, madame? C'est quoi votre boulot? Madame, revenez, revenez, madame. Elle là, oui. Elle est mineure. Enfin, elle mine quoi? Eh oui, sert à quoi lui? Attends, je sais pas. C'est en train de me stresser, faudra que vous m'expliquiez, faudra que vous me dites. Ouais. Je suis pas... Punaise, doucement. Ah non, c'est bon, on a pris le cultivage. Oh mince, je me retrouve con quand même parce que la... Moi je pensais que je pouvais en faire un petit pâturage. Bon, allez, on va faire un pont. Il y en a marre, hein, faut avancer. Tech, bim. Ouh, c'est gros, hein. On va pouvoir péter toutes les pierres. Ah, c'est quoi ça? C'est des bisons. J'irai voir pour les pâturages là. Là le pont et tout, c'est bien. C'est bien, c'est déjà ça. La mine va pas tarder. Il y a plein de pierres là-haut, donc c'est pas ce qui manque. Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Ouais, bon bah ciao. Il y a plus de... C'est parce que il y a plus de cuir, mais c'est normal. Et je vais construire un cimetière. Là, ce sera l'emplacement d'un cimetière. Il est où le cimetière? Cimetière et chapelle. On va mettre un cimetière. Hop, 12 sur 12 tombes. Oh, toute la stone qu'il faut. C'est pas grave. Ça c'est quoi? Happiness. Ouais. Oh, il y a plein de choses à faire en fait. Oulalalala. Oh, une petite échoppe. Hein. Une taverne. Pour rendre les... Non mais ils sont plutôt heureux je trouve. Hein. Oh, ouais, vite fait quoi.
La bouffe elle grimpe, j'adore, j'adore. Il est toujours là lui avec ses foutus poulets là. Oh, j'en prends un deuxième mais c'est pas bien mais bon. J'ai plus de log. Ah oh, je suis trop deg. J'ai deux poules. Nickel, super. Mais à quoi elles servent? Au revoir monsieur. Merci, bonne au revoir. À quoi elles servent les poules? On peut pas les sortir ou quoi que ce soit en plus hein. Peut-être être vendu, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Ah, allez, enlever. Ouais. Non, on stocke. Là, ça avance pas les mains. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir bien arrêter. Allez, quick. On va vite. Je crois qu'on va se laisser là-dessus, les amis. Je vais aller me renseigner pour en ce qui concerne les vaches. Ouais, je l'entends. Je les entends faire quoi. Ouais, log. Ouais, tu m'étonnes qu'il n'y a pas assez de log. De toute façon le pont il va être bossé et on va refaire un storage barn là, voilà, et ce sera la priorité pour la prochaine fois les amis. Voilà, on va se laisser là, de toute façon c'est l'automne donc on enlève tous les fermiers et on laisse des laboureurs et des constructeurs pour la suite. Allez, bisous.